Yes, salut les amis, c'est Farmix Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour de ATS et regardez le Camtar, regardez ça, un Kenworth K200. Donc, demandez-moi pas où je l'ai trouvé, tout simplement, vous pouvez le trouver où? Chez RTA Mod, c'est un mode payant, tout simplement. Voilà, j'ai fait les frais, j'ai acheté ce camion parce que donc, je le trouvais absolument magnifique. Donc, un Kenworth K200. Donc ça coûte 19,99$ et ouais, on achète au russe et on paye tout simplement en dollars. Regardez à l'intérieur s'il n'est pas Tibo le camion, franchement. Le petit Playboy qui va bien, je me suis fait encore un petit plaisir tout simplement pour mettre sur le côté. Le petit volant 3 branches, tranquille. On va les récupérer tout simplement. Alors normalement on va pouvoir aller là. Alors c'est la première fois que je teste, hein. je viens de l'acheter. Avec un moteur Cummins 720 chevaux. Ouh, ça a l'air d'envoyer du lourd, ça a l'air d'envoyer du gras. On est bon, on va filer. On a 98 miles pour aller récupérer une remorque. Bon, on n'a pas le temps. Hein. Attends, je suis en vidéo, bien évidemment. C'était rouge? Non, j'ai pas vu, c'était rouge. On va aller récupérer normalement du bois, si je dis pas de conneries. Donc, on va essayer de faire ronfler un petit peu le camion. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, un magnifique mode personnalisable à souhait. Encore, oh, j'allais dire une fois c'était rouge, mais non, c'est bon, c'est impeccable, c'est passé juste au vert là. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à ATS, je vous dis, je sais même plus où j'en suis au niveau des commandes. Bref, c'est pas bien grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous fera plaisir. Il est 7h57, voilà, donc avec le petit pare-soleil bleu là au-dessus, là, qui est plutôt sympathique. En tout cas, le camion l'envoie. Il envoie, il fait un très très bon bruit. Non, ce sont ses boîtes 10, donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. On va se faire donc ces 90 miles, bah déjà rien que de toute façon en solo. Hein. Alors, on va voir combien il monte, tu vois, 80, 84 miles, ouais, ça envoie du steak. Hein. Je vous dis tout de suite que ça envoie du steak avec le petit. Alors c'est le soleil qui se lève et qui se couche, on sent rien du tout. 8h06 PM, normalement c'est plutôt le soleil qui se couche, ça me fait chier, je voulais quand même pas rouler. Donc on a le petit GPS aussi en option sur la gauche. À la limite, on pourrait presque enlever celui d'en bas. Et c'est vrai qu'il y a quand même des informations en bas qu'on n'a pas sur celui d'en haut. Donc on va quand même le laisser, on va pas se casser la tête. Regardez à l'extérieur, à l'intérieur, la petite surpiqûre. Putain, j'ai cru que j'allais me foutre en blair. La petite surpiqûre qui va bien, le petit bois qui va bien, le petit poste à la limite style Pionnier Clarion comme à l'époque, comme dans les anciens. Et ça envoie du steak, donc il y a d'autres camions. Il y a le Kenworth T908 si je dis pas de conneries, etc. Donc j'étais pas sûr de l'acheter, je me suis tâté, et puis j'ai dit ouais, celui-ci est vraiment trop magnifique. Moi j'adore ces camions sans nez, un peu style américain, donc par contre là on va tourner mon chrono. Parce que ce serait plutôt bien de pas rater tout bêtement, parce qu'on va aller dans la forêt. Hein. On va aller dans la forêt, ouais, donc je pense qu'on va aller plutôt vers la nuit, c'est dommage, on va vers la nuit, hein, on trouve toujours vers la nuit, c'est trop chiant. Je suis tout à l'envers, il faudrait qu'un jour je dorme correctement et puis qu'on se retrouve plutôt... du côté du jour, parce que quand je fais le transfert des camions d'un garage à un autre, et ben effectivement on perd du temps. Donc là on envoie du steak. Hein. Oh putain, il envoie du steak le truc. Par contre, oh putain. Ouh, le car. J'espère qu'il s'engageait pas parce que sinon on allait se le manger, mais de plein fouet, un truc de ouf. Voilà, je fonce chercher ma cargaison, vous pouvez le constater. On roule comme des niqués, il y a des chances qu'on se plante, ça c'est pas exclu. Maintenant on est sur la chaîne du Savoyard, donc c'est un peu normal. Toujours avec le traquier, par contre il y a un problème de réglage du traquier parce que j'ai l'impression qu'il tire quand même beaucoup à droite, à gauche le truc, mais bon ouais c'est pas grave. On va compenser avec le cou, avec la tête, que ça soit moins désagréable et que ça soit un peu plus centré au niveau de la caméra. Par contre toi, tu vas te barrer vite fait, parce que sinon moi je vais te déboîter par la droite, hop, par la gauche, hop, voilà avec ton petit Jeep. Allez, 38 miles on va récupérer, oh putain par contre, oh putain, il m'a vu lui. Donc on est censé pas doubler, double ligne jaune je pense. Mais bon, on va doubler quand même, c'est pas un souci. On va se faire plaisir, on n'a pas le temps de niaiser, nous. On va récupérer donc du bois sur une remorque. Alors, oh là, petit John Deere là. Oh, par contre, un coup de moins bien là, coup de dixième. Tant que ça se remette en place et que ça roule. Voilà, toujours sur le DLC Oregon. Parce que franchement, c'est le plus joli. Hein. C'est le plus joli de tous les DLC, enfin de toute la partie. Voilà. Par contre, Dieu, mais il freine un truc de ouf. Je réduis un petit peu la puissance du freinage parce que sinon... Ah bah ça tombe bien, c'est à gauche que je vais aller. En plus je pense que j'ai le ralentisseur, enfin en tout cas le frein moteur. Alors, on va aller chercher du bois dans ce merdier. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. Oh putain, j'ai cru que je faisais du drift, oh. Truc de ouf, dans l'accélération j'ai l'impression que le tracteur il partait sur le côté. Oh. Tracteur routier, hein. Je dis toujours tracteur mais c'est tracteur routier, on est bien d'accord. Alors on filoche, on fonce.
Tout va. Mais mon dieu, mais c'est un col que je vais attaquer ou quoi? Je suis jamais venu là, moi. Qu'est-ce que ça dit? Oh là là, mais un truc de ouf! Il freine un truc de marteau. Et on est où là exactement? Oh là là, mais je suis jamais venu ici, moi, un truc de ouf. Et ça? On va se taper une route de montagne bientôt pour aller chercher du bois là. Oh là là, c'est pas Thibaut ça! Mais c'est magnifique le coin là, les amis! Je sais pas si vous savez où on est, mais. Ah ouais, j'ai fait quelques scieries, quelques endroits où on pouvait choper du bois, mais alors je suis jamais venu à celle-ci. Hein. Oh là la classe, mon cono, on redescendra en vue externe pour voir un petit peu et le camion et l'environnement un peu mieux que ça, et qu'on n'ait pas depuis la. Mais oh là là, il y a carrément un espèce de comme un col pour monter là-haut. L'excellence, Peter, regarde ça. On est à deep, je sais pas quoi. Ah, le camion est pas réellement adapté pour ça, hein, mais bon, j'ai pas mis les camions. Oh, j'aurais dû mettre le camion avec les gros boobs là. Putain, on aurait secoué les boobs du camion. Mais regardez ça, c'est pas Thibaut ça. Impeccable, la classe, tout va bien. La descente. On va quand même pas y aller comme des calus. Oh, mais j'hallucine! J'étais jamais venu là! Magnifique! Faudrait que je regarde sur la carte où ça se passe pour que je vous montre exactement. Parce que sincèrement, je vous dis, j'en ai fait des scieries, enfin voilà, des zones de coupe de bois, mais alors jamais je fais celle-ci. Hein. Excellent! Et ça, il y a la montée, on peut se la faire à la descente. Ah ouais, alors, on va faire la descente en vue externe, tu vas voir mon colo. Comme ça, tu vas tout bien voir comment c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Le Maurice qui est en train de récupérer et de rassembler les grumes de bois là. Ah ouais, non, impeccable. Impeccable, franchement, ça fait plaisir. Alors, on n'a pas le temps de faire une vidéo très très longue hein, en termes de timing. Je vais être un petit peu coincé. On est bon. Alors, par contre, qu'est-ce que c'est? Il y a un camion qui est en panne. Ici, ils sont en train de remettre du bois ici. Oh là là, les animations, mon dieu, c'est magnifique. Alors je suis, je sais pas si je vous l'ai dit ou j'ai peut-être déjà dit, je suis toujours sur la version 1.32 pour ma part. Parce que je ne voulais pas me faire chier à reprendre tous les camions, sachant que celui-ci est en version 1.33, mais il fonctionne également. Aïe! Il fonctionne également sur la version 1.32, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que je ne suis pas passé sur la version 1.33. Alors je sais pas s'il est toujours en bêta d'ailleurs, du reste. Mais en tout cas, voilà, je suis sur la version 1.32 pour ATS et 1.33 pour ETS 2, puisque pour celui-ci j'ai pas trop de mode sur ETS 2. D'ailleurs, je suis pas retourné depuis peut-être 6 mois sur le jeu. Sur ETS, voilà, je ne fais que du ATS en ce moment, et pour le moment, en tout cas, ça restera comme ça. J'ai absolument pas envie d'y aller. Le DLC Beyond the Baltic, si je l'ai même pas pris, on verra si je le prends un jour ou si je le prends, ben, c'est peut-être un jour où il sera en promo ou encore moins cher que ce qu'il l'est maintenant. Voilà, normalement, on est censé pouvoir récupérer, hop, une offre de traction. Voilà, on est censé. Non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que c'était? C'est pas une offre de traction, c'était quoi? Mais je suis bienvenu au bon endroit, moi, qu'est-ce qu'il me raconte? Vas-y! C'est un contrat externe? Non. Je suis venu chercher quoi exactement? Et je suis venu trop tard, je suis sûr. Oh, je suis arrivé trop tard. Un truc de ouf. Non, tu rigoles? Alors, on était bien en offre de traction. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, et on avait une histoire de bois. Une histoire de bois, une histoire de bois, une histoire de bois. Ben, je me suis fait niquer. Je suis venu le voir là, je sais même pas pourquoi. Donc, résultat des courses, on va retourner là-bas. On va faire comme ça. Très, enfin, en tout cas, ça vous permet de voir le camion. On va essayer de voir s'il y a quelque chose à charger ici. Parce que j'ai pas l'impression que. Si, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à charger. Allez, on voit du gras, on voit du steak là. Je veux rouler moi. Je vais vous montrer le camion, je vais vous montrer une remorque, je vais vous montrer du transport. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Vas-y. Qu'est-ce qu'on a? Offre de traction. On a quelque chose ici ou pas? Ouais, on a quelque chose de toute façon. On a ça, bon bah écoutez, on va prendre ça, hein. Je crois que c'était peut-être ça, j'en sais même pas si c'était ça en fait finalement. Allez hop, on va la récupérer, la remorque, elle est là, avec la petite Jeep qui va bien. Alors c'est bien, c'est comment on va la chercher là? Parce qu'on a quand même un camtar nous. On fait pas demi-tour comme on a envie de faire demi-tour, on n'a pas un petit camion quoi, on a pas une petite roulette. D'ailleurs je vous montrerai, j'ai trouvé aussi un camion, enfin c'est un fourgon plus qu'un camion d'ailleurs du reste. Et franchement ça peut aussi bien le faire. Donc je vous montrerai ça. Alors, où c'est qu'elle est la remorque? Où c'est que tu es? On est là, on est là, on est là. J'arrive, 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 j'arrive. Et on va se faire donc la descente. Un petit transport de bois. Franchement, je surkiffe les transports de bois. J'aurais pu atteler ma remorque privée hein, et venir chercher du bois éventuellement. Peut-être ici d'ailleurs, du reste. Hop, on va se foutre en vue externe. Regardez si c'est pas beau ça. C'est pas Thibaut ça. Allez, on y va. Et bah écoute, on est bon. On va se foutre comme ça. Ça, on va bien entendre le moteur, double sortie d'échappement là, ici. Ça le fait plutôt bien. On va essayer de reculer un petit peu la caméra. Voilà. Et on va essayer de descendre tranquillement, sans cabaner et le camion et la cargaison. Oh, j'ai touché quoi? Tu fous de ma gueule? Allez, c'est parti. Regarde ça, mon colo. Par contre, est-ce qu'on peut y foutre les pleins phares? Voilà, comme ça, on va y voir un petit peu plus clair.
Ah, ça c'est beau, ça c'est sympa, ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'en dis, mon colo? Regarde ça avec un bon petit Kenworth K200 qui va bien. Donc, je le répète, hein, ce véhicule-là, techniquement, vous le trouvez pas en mode nulle part, ou en tout cas, vous le trouvez plus sur les dernières versions. Il est disponible, je mettrai si j'y pense le lien du site où je l'ai trouvé, où je l'ai acheté surtout. Voilà, et ça coûte 19,99 $ ou quelque chose comme ça. Ça m'a mis un coup de stop là. Et sans ça, bah, c'est dommage, vous le voyez un petit peu, mais vous voyez pas trop en même temps. C'est un petit peu la nuit. Ah, j'essaie de trouver une caméra qui est pas trop crado, où on voit à peu près, où je sais que je vois aussi un petit peu la route. C'est ça aussi l'idée. Mais sinon, sans ça, ça fait plaisir. On peut se faire comme ça, regardez ça. Je sais pas, putain, je sais pas où je vais. Là, je sens que par contre, ça peut être une catastrophe. Là, j'ai failli attraper. Oh putain, voyez, ouais, c'est vrai qu'il y a les autres là. J'ai failli attraper la souche qui a failli me foutre dans le décor. Ouais, non, mais franchement. Aïe, 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 aïe. Oh putain, oh putain. Ça te met des cartouches, mon pote. Et si on se refond en vue inter, qu'est-ce que ça dit? Vue de dedans. Voilà, regarde, si on peut vue de dedans. On est pas mal aussi, hein, on est pas mal installé. Je pourrais presque avancer un peu le siège, tu vois. Ça serait pas plus mal, mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de plus le customiser, plus le modifier, plus le régler que ça. Là, je descends quand même un peu fort, hein, et tout va bien. Mais ça pousse pas trop au cul, ça va. C'est pas un chargement qui pousse trop au cul, parce que des fois dans les descentes, c'est vrai qu'on a tendance à avoir le chargement qui pousse vraiment très très fort au cul. Et là, je suis même presque obligé d'accélérer pour descendre, sinon. Voilà, puis on descend quand même bien, hein. On descend bien, on est à 25 miles par heure, on multiplie en gros par deux, on est presque à 40 ou 50 km/h. Le klaxon. Toujours le klaxon de train, hein, toujours, il n'y a pas de souci de ce côté-là, on se fait plaisir, on s'amuse. Allez, on va rouler encore 3 ou 4 minutes, et puis bah, écoutez, ça sera plutôt bon, je vous aurais montré un camion. On aura surtout roulé dans la terre en fait, hein. Surtout aujourd'hui, on a roulé pas mal dans la terre finalement. Hop, on peut passer une septième, ça peut être bien aussi. On va commencer à accélérer un petit peu. Là, c'est des pistes un peu moins caillouteuses. J'ai l'impression que c'est même presque goudronné là. On arrive le long, justement, la petite moto, la petite scierie. Alors, en fait, il suffirait juste de descendre le bois ici, hein. Bon, l'idée c'est ça, mais on va aller un petit peu plus loin quand même avec le camion. Normalement, ça va se passer à gauche. Ouais, on est d'accord. Ça bougeotte, hein. Je vous le dis, là, le retour de force dans le camion. On va repasser sur le petit pont qu'on avait passé au départ, là où on avait une jolie petite vue, mais là, bah, du fait qu'il fasse nuit, on n'y voit plus grand-chose. C'est dommage, mais c'est ballot et c'est comme ça. On est bien, on va tourner nous à droite. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Le petit, c'est quoi? C'est un petit JCB là-bas. Petite Cadillac là qui va bien. Allez, on est parti, on prend de l'élan, on se lance, on va faire notre livraison. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Petite vidéo sur du ATS, ça change un petit peu. Ça fait un petit peu de contenu différent, un petit peu de changement. Pas toujours du FS, même si on est bien d'accord, FS est la base de la chaîne et on restera comme ça. FS Farming Simulator, la base de la chaîne du Savoyard. On est bon. On va prendre donc normalement la route qui se trouve sur notre droite. On va arriver sur la route ou pas? Y a personne. Par contre, non, il faut vraiment que je règle mon frein parce que là, c'est beaucoup trop puissant. Dès que j'effleure la pédale de frein, bon, ça a l'air d'être bon là. Le truc qui s'arrête net, un truc de ouf, hein. Un truc de ouf. Toi, tu fais quoi? Tu y vas? Oh, il me coupe la route, lui! Putain, mais c'est pas vrai, mais la première, t'as raison. Ouais. Allez, en tout cas, le moteur Cummins fonctionne plutôt bien, ça arrache. Hein. Il arrache, je vous dis tout de suite, à la réaccélération. Tu vois, je vais me le faire à la réaccélération, ce con là. Wow! Ouais, Dieu, si c'est pas beau ça, le machin il arrache. Oh putain, remorque le triple devant. Petit pick-up à l'ancienne, années 40-50, le John Deere qui va bien. Allez, on s'en fout, on déboîte, on est des dingues, on est des dingues, on est des dingues. Oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud, 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 ça va être chaud. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Hop là, impeccable. On est passé tout juste à un poil de cul. Il faut absolument que je vous montre également cette remorque, la Burn. La Burn, je sais pas comment on le dirait. Livestock, hein, qui permet donc de transporter des animaux, des cochons, des moutons, etc. Des pigs, des sheep, etc. Franchement, c'est pareil, elle est customisée. J'aurais dû. Peut-être que j'habille celui-ci de la couleur de la remorque ou que je modifie la remorque que j'ai de la couleur de celui-ci pour faire un très très bel ensemble. Vous verrez. En tout cas, c'est une magnifique remorque. Bon, bah, les amis, de toute façon, on va se laisser là. On va pas rouler plus longtemps ensemble. C'était simplement pour vous montrer un petit coup cette scierie que j'ai découvert moi avec vous, franchement. Parce que celle-ci, je la connaissais pas, tout bêtement. Et puis, donc, je vais surtout montrer ce Kenworth K200. Donc, voilà, disponible sur le site RTA Mods pour 20 $. N'hésitez pas à commenter, laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous en voulez encore, likez la page Facebook du Padou Modding et du Savoyard. Et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur ATS. Ciao, bye bye!